Bien que la foi nous permette d'espérer le pardon, chacun de nous doit se rendre à l'évidence que toutes nos actions engendrent leur lot de conséquences. Peut-être trouveras-tu les fruits de tes actes un peu amers, mais tu les as choisis. Si ta mère était vivante, elle penserait que c'est la meilleure solution. Quoi que t'aies dit, père, ne le prends pas trop à cœur. Ken et moi t'offrons ce petit cadeau pour plus tard. Tu vas manquer ton train. Le pasteur Case. Bonjour. Vous ressemblez beaucoup à votre mère. J'ai été très peiné d'apprendre son décès. Merci. C'est tout ce que vous avez? Pour l'instant, oui. Eh bien, nous avons un petit bout de chemin à faire. Avez-vous besoin de vous rafraîchir avant de prendre la route? Oui, si vous voulez bien m'excuser. On cultive surtout des céréales et un peu de betterave à sucre et des légumes. L'essence n'est pas rationnée pour les cultivateurs, ils en ont autant qu'ils en veulent. Et c'est pareil pour le sucre. C'est bien. Être Olivia. Oui, madame. Bonjour. Monsieur Singleton est dans le petit salon. Monsieur Ray Singleton, voici mademoiselle Olivia Dunn. Livy. Tout le monde m'appelle Livy. La sœur de Ray nous attend dans l'église. Nous vous laissons seul un instant pour que vous fassiez plus ample connaissance. S'il vous plaît, Ray, servez donc un verre de citronnade à Livy. Oui, madame. Rejoignez-nous à l'église quand vous serez prêt. Merci.
Monsieur Singleton. Ray. Appelez-moi Ray. Ray. Maintenant que vous avez eu l'occasion de me rencontrer, de me voir en personne, avez-vous des doutes? Non, mademoiselle. Et vous, avez-vous changé d'avis? Non. Croyez-vous être capable d'aimer ce bébé? J'en suis sûr. Y a-t-il des questions que vous voudriez me poser? Non. Vous êtes si raffinée que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre qu'un homme ait pu agir ainsi. Raymond, acceptez-vous de prendre Olivia comme légitime épouse? Oui. Les alliances? Eh bien, je n'en ai pas. Ah, je n'en ai pas besoin, ça ne fait rien. Ah, bien. Unis par ces liens sacrés, promettez-vous de vous engager à vivre ensemble comme Dieu le veut? De rester attachés dans les bons et les mauvais jours, dans la santé et la maladie, dans la prospérité et la détresse, et de vivre dans la vérité? Qu'un tel amour vous nourrisse dans votre vie terrestre autant que vous nourrissez l'espoir de la vie éternelle, grâce à notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Martha, Hank, si vous voulez bien signer en tant que témoin. Félicitations, Ray. Merci. Merci, Martha. Je suis Martha, la sœur de Ray. Ravie de vous connaître. Et voici mon mari, Hank. Enchanté de vous connaître. Bonjour, Hank. Félicitations, Ray. Nous vous hésitez à amener les enfants aujourd'hui. Nous avons pensé que vous seriez plus tranquille pour vous installer. Oh, attendez. Une petite seconde. Tiens, Martha. Tenez, c'est votre dîner. Je me suis dit que vous seriez fatiguée après votre voyage. Oh, merci, c'est très gentil à vous. Ray, je compte sur toi pour venir vite nous rendre visite avec Olivia. Olivia, bienvenue dans la famille. Qui sont vos voisins? Hmm? Vos voisins, qui sont-ils? Il y a ma sœur et Hank. Ils sont à une dizaine de kilomètres d'ici. De votre mère? Ah, oui. C'est votre chien qui gémit? Oui. Je l'ai enfermé dans la remise pour qu'il ne vous saute pas dessus. Merci. Bienvenue à la maison. La cuisine est à droite. Donnez-moi ça.
J'ai des boissons fraîches, si vous voulez. Non, merci. C'était la chambre de Martha. C'était la chambre de mes parents. Vous pouvez vous installer. Est-ce qu'elle vous conviendra? Tant mieux. Et ici, il y a une grande chambre avec deux lits. Vous avez un frère? Oui, enfin, j'avais un frère. Daniel a été tué à Pearl Harbor. Ici, c'est la salle de bain. Avec l'eau courante. Eau chaude, eau froide. Je viens de la faire installer. Où est le téléphone? Oh, il y a une cabine à Wilson, à côté du bureau de poste. Demain, j'irai faire des provisions pour la cuisine. Je ne sais pas très bien cuisiner. Enfin, je veux dire que je n'ai jamais essayé, mais je pourrais le faire, bien sûr. Non, ce n'est pas grave, je sais me débrouiller. Ma sœur pourrait venir vous apprendre? Non, c'est inutile, ça ne devrait pas être bien difficile. J'emprunterai un livre à la bibliothèque. Il y a une bibliothèque. Ah oui, à la Junta. C'est à une heure de route? Oui, environ une heure. Le pasteur m'a dit que vous aviez beaucoup d'instructions. J'étais à l'université. J'étudiais l'archéologie. Ma thèse de doctorat portait sur Heinrich Schliemann et sa découverte de Troie. C'est un Allemand? Oui. C'est un nazi? Non, il a vécu au 19e siècle. Oh, non, non, je vais vous non, aider. Non. Madame Pratt, de la paroisse, elle me fait un gâteau presque toutes les semaines. Celui-là est au chocolat, je crois. Oui. Je vous en coupe une part? Non, merci. Bon, bah, alors on va le garder. Ouais. J'aimerais vous demander pourquoi vous avez accepté. Quand le pasteur est venu me voir et qu'il m'a parlé de votre situation, j'ai pensé que c'était peut-être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Vous voulez autre chose? Non, merci. Les fermiers ne se couchent pas tard. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, merci. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Thank you.
Bonjour. Bonjour. Je ne croyais pas dormir si tard. Vous avez besoin de repos. Franklin, arrête. Et viens ici. Viens ici. Et gentil, oui, t'es un bon chien. J'aurais voulu aller à la Junta aujourd'hui pour visiter la ville, téléphoner à ma famille. Puis j'empruntais le camion. Ah, eh bien, ma boîte à betteraves est un peu capricieuse. Boîte à betteraves? Je m'en sers pour transporter mes betteraves. Oh, je comprends. Il vaut mieux que je vous y conduise. Oh, mais je ne voudrais pas vous déranger, vous avez du travail. Ça ne me dérange pas, au contraire. Je vais chercher ma carte de bibliothèque, si vous voulez prendre des livres de cuisine. Ce sont des tomates? Les pommes de terre. Il y a beaucoup de champs vides. C'est normal. Pourquoi? On a fait la moisson de toutes les céréales avant l'hiver. Ensuite, on récoltera les betteraves et les pommes de terre. Pourrais-je vous aider? J'en doute. Vous avez raison. Je ne connais rien dans le domaine de l'agriculture. Oh, et vous aurez assez à faire dans la maison? Besoin de monnaie? Non, j'ai ce qu'il faut, merci. Je vais à la bibliothèque. Vous allez bientôt avoir un enfant? Oui, madame. Oh, c'est une bonne nouvelle. Oui, madame. Est-ce que vous avez des livres sur Heinrich Schliemann? Ça s'écrit avec SH ou SCH? Vous le savez sans doute mieux que moi.
Je crois qu'il était archéologue. Je vais regarder. Si Père voulait me punir, il a très bien réussi. Oh, Livy, ne pleure pas. Oh, chérie, il est horrible. Non, non. Livy, s'il te maltraite, ne serait-ce qu'une seconde, je viens te chercher. Abby, as-tu des nouvelles d'Edouard? Non. Livy, dis-toi bien que ça ne durera pas éternellement. Je sais. Bon, l'embrayage a tendance à accrocher. Allez-y doucement. Ça y est. Débrayez. Allez-y, pompez sur l'embrayage. C'est ça. C'est facile. La jauge indique que le réservoir est plein, mais ce n'est pas le cas. Si vous tapez dessus, elle donne le vrai niveau de l'essence l'espace d'une seconde, et ensuite l'aiguille remonte comme si c'était plein. Je tape à quel endroit? Là. Donnez un petit coup. Plus sec. Très bien. Nous avons un demi-réservoir. Derrière, il y a un bidon d'essence au cas où. Oh, il y a du monde dans ce genre. Ce sont des Japonais? Regardez la route. Ils viennent du camp à Amache. C'est un camp d'internement? Oui, les cultivateurs manquent de main-d'œuvre. L'État a besoin de nourriture, alors ils envoient des ouvriers. Ce sont vos terres qu'ils travaillent? Nos terres. Oui, ils travaillent nos terres. Prions pour que soient soulagés ceux qui souffrent et pour la fin de la guerre dans le monde. Amen. Amen. Rousse, j'étais impatiente de vous connaître. C'est ma fille aînée. Ah, bonjour, Rousse. Je m'appelle Livy. Oh, je ne sais pas où sont les garçons, mais ils viendront quand les pâtisseries seront servies. C'est une robe de confection? Bonjour, John. Oh, voyons. Oui, en effet, Rousse. J'en étais sûre. Eh bien, mon cher Ray, vas-tu faire les présentations? Oui, bien sûr, Madame Parker. Voici ma femme, Livy. Votre bonjour, femme. Madame Singleton. Enchantée de vous connaître. Votre femme. Et voici Madame Parker. J'ai connu Ray quand il était grand comme ça. Et voici Madame Pratt. C'est une grande nouvelle. Nous n'en savions rien. Je suis ravie de vous connaître. Et Martin n'a pas dit un mot. Oui, c'était une grande nouvelle. Chérie, viens m'aider à dresser la table. Au revoir. Au revoir. Vous ne devez pas être d'ici. Nous étions si inquiètes pour Ray. Surtout avec ce qui s'est passé dans la région. Et aucune jeune femme célibataire à l'horizon. Ray est un jeune homme si charmant. Où vous êtes-vous connue? Eh bien, tout simplement. Nous nous sommes rencontrés à Denver. Comme c'est romantique, j'ignorais que tu étais allée à Denver. Oh, venez vous asseoir près de moi pour le goûter. Aussi. Nous aimerions rester, seulement nous sommes attendus. Nous allons nous régaler avec votre gâteau, Madame Pratt. Oh, merci. Toutes nos félicitations. Bien sûr, c'est un plaisir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. J'ai une lettre que je voudrais envoyer avant de rentrer. C'est dimanche. Je peux la poster demain. Oh, mais elle est déjà timbrée. Il me suffit d'aller la mettre dans la boîte. C'est une lettre pour ma sœur. Peut-on nager ici? Ce n'est pas assez profond. Il y a 60 cm de vase là-dessous. Vous aimez nager? Oui, beaucoup. J'adorais nager avant.
Merci d'avoir menti à Madame Pratt. En pleine journée, ce n'est pas le meilleur moment pour pêcher. Le but, c'était de venir ici. La pêche, ce n'était en réalité qu'un prétexte. Oh, excusez-nous. Non, je ne voulais pas vous déranger. Qu'est-ce que vous étudiez? Oh, les papillons. Vous les collectionnez? Non. Nous notons nos observations dans notre calepin. Je m'appelle Livy. J'habite dans la ferme, là-haut. Nous allions nous remettre au travail. Non, attendez, ne partez pas. Je suis désolée de vous avoir interrompu. Quel genre de papillon avez-vous vu? C'était un morpho bleu. Oh, regardez! Oh, il y a de nombreuses espèces ici? Oui, des centaines. Par exemple? Des Hesperia communs. Des grands nacrés, des écailles marbres. Des monarques. Puis-je voir votre calepin? Vos dessins sont magnifiques. Merci. Regardez. Regardez celui-là. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce papillon est un souffle. Il en existe plusieurs variétés. Oh, je suis désolée. Franklin, non! Il n'est pas méchant. C'est votre chien? Non. Enfin, oui. Est-ce que vous avez soif? Nous devons retourner travailler. Venez à la maison quand vous voulez. Nous avons des boissons fraîches dans le réfrigérateur. Merci beaucoup. Attendez! Comment est-ce que vous vous appelez? Rose Umara. Et Flori. Ah. Au revoir. Au revoir. Laisse-moi tranquille, Franklin. Va-t'en. Je suis enceinte de 4 mois, presque. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est une terrible erreur. Quand le bébé sera là, vous ne verrez plus ça comme une erreur. J'aimerais tellement vous croire. Alors croyez-moi, Madame Singleton. Je pense que l'accouchement aura lieu la 3e semaine de décembre. Ce sera un bébé de Noël. Je profite d'être en ville pour poster une lettre. Est-ce que tout va bien? Oui, tout se déroule normalement. Est-ce qu'il a dit quand le bébé allait naître? En décembre. J'aurais pu vous le dire avant. Tout le monde saura que j'étais enceinte avant le mariage. Que vont penser les gens? Je me moque de ce que vont penser les gens. Je ne vois pas comment vous pourriez rester insensible à leur jugement, à leur commérage. Ils ne diront rien. Et pour quelle raison? Eh bien, parce qu'ils ne souhaitent que notre bonheur. Ça sent bon.
Une omelette fiesta. Peut-être ai-je mis un peu trop de petits piments dedans. Non, c'est très bon. Très bien cuisiné. Le fromage, j'ai oublié le fromage, ça va peut-être l'adoucir. Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement Hank. Oui, mais qu'est-ce qui fait autant de bruit? C'est la pelleteuse. Merci. Vous avez dit que vous aimiez nager. Je vais creuser un trou. Comme ça, l'été, les enfants et vous, vous pourrez vous baigner. Les enfants. Ne vous dérange pas qu'on soit venu. Les garçons ne voulaient pas manquer ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on creuse un trou. Celui qui est là-bas, c'est Chester. Et lui, c'est Hank Junior. Bonjour, Hank Junior. Enchantée de vous connaître. Ravie de faire ta connaissance. Je peux y aller? Vous aimez ma coiffure? Oh, oui, oui, tu es très très jolie. Elle m'a demandé de la coiffer comme vous. Hank, chérie, surveille ton petit frère. Fais attention qu'il ne se blesse pas. Viens, Franklin, viens. Maman a dit de faire attention. Vous avez choisi un prénom pour le bébé? Rousse. Bah quoi, tu m'as dit qu'on clurait et tante Livy allait avoir un bébé. C'est pas vrai? Je n'ai pas encore trouvé de prénom. J'adore le prénom de Patricia. Mais mes parents ont voulu que je m'appelle Rousse. Rousse est un ancien nom biblique et personnellement, je le trouve magnifique. Merci, peut-être que maintenant elle va l'accepter. Plus bas! Sortez de là, allez jouer plus loin. On ferait tout commande. Martha, c'est dans cette maison que vous avez grandi? Oui. C'est grand-père qui l'a construite. Et avant ça, lui et grand-mère habitaient dans une cabane. Elle est encore là-bas, dans le champ sud. N'est-ce pas? Vraiment? Alors, vous n'avez jamais vécu ailleurs? Non. Notre jeune frère, Daniel. Lui, il a voyagé. Tire sur la manette! La manette! Tire sur la manette! Comme si ta mère ne t'avait pas enseigné les bonnes manières. Doucement! Doucement! Ça va être trop lourd, hein! Amen! Ça va basculer! Ouais. La manette de gauche! À la gauche! Il n'y a pas un manuel d'instruction? S'il y en avait un, vous croyez qu'il le lirait? Bravo! Je ne lui ai pas demandé de creuser une piscine. J'ignore pourquoi il se donne autant de peine. Il veut vous faire plaisir, c'est tout. Je n'ai pas envie de danser. Mais Martha sera contente que vous soyez là. Elle a toujours adoré les bals. Celui de Slim est son préféré. Vous êtes-vous jamais demandé s'il y avait autre chose ici, à part la ferme? Ça m'est arrivé. N'êtes-vous pas curieux de savoir comment d'autres personnes vivent? J'apprécie de sortir de temps en temps, mais...
mais j'aime revenir chez moi et dormir sur mes terres. Vos terres? La cause des guerres dans l'histoire de l'humanité semble être la possession des terres. Les croyances indiennes selon lesquelles nous sommes les gardiens temporaires des terres où nous vivons me séduisent. Ce n'est pas temporaire pour moi. Mais votre famille possède ces terres depuis moins de 100 ans. Dans l'espace de temps de l'histoire, ce n'est rien. Mais dans l'espace de temps d'une vie, c'est presque tout. Fêter un anniversaire. Je connais cette charmante jeune femme depuis... que je suis Slim. Martha, Hank dit que tu es une bonne épouse. C'est la vérité, Slim. Une épouse parfaite. Nous savons aussi que tu es une bonne mère et une amie exceptionnelle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, mes garçons. Merci à tous. Merci à tous, merci. Merci, Hank. Je t'aime. Merci, chérie.
Bonjour. Une seconde. Bonjour. J'ai apporté des boissons. Merci. Tenez. Merci. Asseyons-nous. Nous avons échappé à la surveillance de notre chef d'équipe. Oh. Je sais que je ne devrais pas vous le dire. Ce sont vos terres. Elles appartiennent à mon mari. Il est bel homme. Qui donc? Votre mari. Oh. Oui. Dites-moi, où étiez-vous avant la guerre? En Californie. Où nous sommes nés et avons grandi. Nous sommes allés à l'université. Oh, quelles études avez-vous faites? Moi, littérature anglaise. J'espérais devenir professeur. Rose est une planificatrice à long terme. Dans sa vie, elle prévoit tout, disons, à l'avance. Tu n'avais pas prévu ça, n'est-ce pas, Rose? Ramasser des pommes de terre toute la journée. J'avais des projets, ce n'est pas comme certaines. Je n'avais pas encore choisi ma matière principale. Beaucoup trop de choses m'intéressaient. Beaucoup trop de garçons. J'étais en troisième cycle à l'université de Denver. J'étudiais l'archéologie. Après ma thèse, j'ai voulu aller en Turquie pour voir les cités perdues d'Éphèse et de Troie. C'est vrai? Pourquoi avez-vous arrêté vos études? Ma mère est tombée malade et... Abby, ma sœur, étant déjà mariée, alors j'ai quitté l'université pour rester avec elle jusqu'à sa mort. Je suis désolée. Et après, tout est arrivé très vite. Je suis tombée amoureuse, je me suis mariée et maintenant je suis là. C'est très romantique. Quand doit naître votre enfant? Florie. Je suis désolée. Oh, non, 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 voyons, je savais pas que ça se voyait autant. Veuillez excuser notre indiscrétion, mais avez-vous besoin de robes de grossesse? Je n'y avais pas encore pensé. Eh bien, notre père est ailleurs. Nous savons tous coudre dans la famille. Choisissez le tissu, puis nous vous confectionnerons quelque chose. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Non, ça nous fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Le vent a tourné. Il vient du nord. Je suis devenue amie avec deux filles de l'équipe de travail. Elles étudient les papillons et j'ai pensé que je pourrais les accompagner en voiture dans les montagnes un jour. Des japonaises? Elles sont américaines. Hein? C'est les américaines qui ont l'air japonaises. Vous leur en voulez pour Pearl Harbor, pour Daniel? Je ne suis pas aussi stupide que vous le croyez. Je sais que ce ne sont pas les mêmes qui ont bombardé Pearl Harbor. Ces gens-là s'occupent de nos récoltes et de nos moissons depuis 2 ans. Je n'ai jamais dit que vous étiez stupide. Et je n'ai jamais dit que je ne les aimais pas. J'ai dit qu'elles étaient japonaises, c'est tout. Et vous gardez vos distances? J'ai beaucoup de travail ici. Je dois faire marcher la propriété à moi seul. Je ne vais pas dans les champs pour faire la conversation. Rose et Florie ont fait des études universitaires. Je ne saurais vous dire combien il est agréable de parler d'autre chose que de récolte et du temps. Oui, sûrement. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes. Et rappelons-nous chaque jour ton amour. Amen. 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 Je peux avoir les hors d'œuvre, s'il vous plaît? Oui, mais mets ta serviette sur les genoux pour commencer. Vous prendrez un petit pain, Livy? Oui, je veux bien. Merci. Merci. Ouais. Je pense que je vais mettre des haricots dans le champ nord. Ah oui? Le prix des haricots ne peut que monter. Ouais. À quoi tu penses? Eh bien, j'étais en train de penser à Troyes.
Troie ou quoi? Ah, la ville de Troie, la cité perdue, là-bas en Turquie. En Turquie? Oui. Homère en a parlé dans l'Iliade. Personne ne savait si cette cité avait réellement existé ou si Troie n'était qu'une ville mythologique. Jusqu'à ce qu'un archéologue la découvrit. Comment est-ce qu'on peut perdre une ville? Sous le sable. Elle a été ensevelie. Ils ont dû creuser et fouiller. Si on avait su, nous aussi on aurait pu le faire avec l'appel mécanique. Alors, Ray, tu vas semer des haricots cette année? Si tu penses que c'est une bonne idée. Qu'est-il arrivé? C'est père? Non, il va bien, c'est Ken. Il a été appelé, il est parti la semaine dernière. Oh, je suis profondément désolée, ma chérie. Oh, c'est pire que je ne l'avais imaginé. Tu es dans un endroit perdu. Il y a plus de monde que tu ne le crois ici. Nous n'avons pas eu de nouvelles de toi depuis un mois. Oui, je sais bien, mais j'étais en train de m'adapter. Livy, tes vêtements sont trop petits pour toi. Oui. Allez, viens, entrons. Viens. Je veux que tu reviennes à Denver et que tu t'installes avec moi, Livy. Comment pourrais-je faire ça? Comment pourrais-tu ne pas le faire? Ton enfant ne peut pas naître au milieu des champs de betteraves. J'ai besoin de ton aide. Avec Ken à l'étranger pour je ne sais combien de temps, je vais devenir folle seule dans cette maison. Tu ne peux pas savoir à quel point elle est vide et triste. J'ai ressenti la même chose quand je soignais maman. J'étais là tous les jours à attendre les quelques minutes où elle se réveillait. Ce n'était pas juste que papa te fasse porter la lourde charge de prendre soin de maman. Quant à moi, j'étais occupée avec Ken. Mais nous passerions d'excellents moments ensemble, Livy. Rien que toi et moi, jusqu'au retour de Ken. Ray, regarde qui est là. Voici ma sœur, Abby. Bonjour, enchantée de vous connaître. Bonjour. Bienvenue chez nous. La quoi? La pluie. La seule chose dont on parle ici, c'est du temps. Oh, mon Dieu. Quand reviendras-tu à la maison? Mais le bébé... Je m'occuperai du bébé. Tu pourrais retourner à l'université, pourquoi pas? Père a eu ce qu'il voulait. Tu es mariée maintenant. Ton bébé ne sera donc pas un enfant naturel. Il y a moyen de faire tourner le vent des rumeurs, Livy. Quelques mots bien choisis parmi les commérages à l'église. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces chères dames de Denver se bousculeront pour te soutenir et te témoigner leur sympathie. Qui pouvait savoir qu'il buvait ou qu'il avait des accès de violence? Il est impensable d'élever un enfant dans de pareilles conditions. Non, Ray n'est pas comme ça. Et alors? Ray, non. Ray est l'homme le plus affable que j'ai jamais rencontré. Ça n'a rien à voir avec lui. Il s'agit de faire ce qui est préférable pour toi. As-tu des nouvelles d'Edouard?
Livy, tu avais tellement de projets. Aucune femme ne mérite de rester mariée à un homme dont elle n'est pas amoureuse. Et surtout pas toi, Livy. Embrasse Fer pour moi, je n'y manquerai pas. Demande-t-il de mes nouvelles? Oui, souvent. Tu ne sais pas mentir. Tu veux bien poster cette lettre pour moi? Bien sûr, chérie. Au revoir. Je t'aime. Ainsi est notre bébé, doux et beau, comme un cœur, c'est l'enfant du bonheur. Bonjour. Bonjour. Tu chantais? Oui. Qu'est-ce que c'était? Une chanson que notre père nous chantait quand on était enfant. J'essayais de me la rappeler pour pouvoir la chanter au bébé. Ma sœur veut que je retourne à Denver pour accoucher à l'hôpital. Où est-elle? Elle est déjà partie. Je vais préparer le déjeuner. Les taches sur les ailes sont magnifiques. Ce sont de faux yeux. Tu as eu le temps de le dessiner? Oui. Fais voir. Les faux yeux servent à tromper l'ennemi. Les phalènes aussi en ont. Comment distinguer une phalène d'un papillon? Oh, les phalènes gardent leurs ailes déployées au repos alors que les papillons les referment. La plupart des phalènes pratiquent le mimétisme. Oui. Pour se cacher. Les papillons ont plus d'audace. Regardez quelques-unes des espèces que nous avons trouvées. Vous voyez? Oh, ces couleurs. Qu'est-ce que c'est? Ce cahier était strictement réservé à nos observations, Florrie. Oh, inutile d'en faire toute une histoire. C'est réglé. Florrie. Oh, regardez. Regardez. Oh. Florrie ne peut apprécier le tissu sans l'avoir déroulé. Quelle couleur votre mari préfère-t-il? Je ne sais pas. Et vous? Bleu et rouge. Comme les faux yeux sur le macaron. Oui, exactement. Qu'en pensez-vous? Oh, il me plaît beaucoup. Oui, il est très joli. Notre père fait des costumes magnifiques. Ah bon? Ce serait merveilleux si vous pouviez rencontrer nos parents. Veuillez ne pas toucher les tissus, s'il vous plaît. J'ai l'intention d'en acheter. Êtes-vous avec ces personnes? Oui, en effet. Si elles pouvaient retourner à leur besogne, l'exploitation apprécierait. De quoi d'autre avons-nous besoin? Ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. Des Allemands. Ce sont des prisonniers de guerre allemands.
bientôt un essayage. Oui, quand vous voudrez. Au revoir, Libby. Au revoir. Merci, Libby. À bientôt. Centre d'internement à Matché. Je commençais à m'inquiéter. Excuse-moi, j'ai trouvé la cabane. Tu sais la cabane dont Martha parlait? Regarde, des pointes de flèches. Je ne voudrais pas te décevoir, mais mon grand-père avait un fusil. Il ne se servait pas d'un arc ni de flèches. Non, je le sais, ça, mais lui ou ta grand-mère devait s'y intéresser pour les avoir ramassés. Regarde, un plein bocal de silex. Un membre de ta famille devait être un archéologue en herbe. Oh, regarde celui-là. J'aurais aimé que mon père la confectionne lui-même. C'est lui le spécialiste. Mais il n'est pas très bien depuis le déménagement. Ils lui ont pris son atelier et notre maison. Et il continue à dire, nous devons prouver notre loyauté. Nous devons leur montrer que nous sommes de bons Américains. Il achète des titres d'emprunt de guerre. Oui. Notre mère n'est pas mieux. Elle nous a fait nettoyer la maison. Ça suffit. Nous avons dû vendre notre maison la moitié de sa valeur. Et ma mère a exigé que nous la nettoyions pour les nouveaux propriétaires. Nous avons même ciré les planchers. Je ne comprends pas pourquoi cela te met dans une colère pareille. Il est normal de vouloir présenter une maison propre. Notre maison nous a été volée, Rose. Vous savez pourquoi il y a si peu d'hommes jeunes au camp Amatché? Pourquoi? Ils ont été appelés. Le 442e régiment est parti se battre en France. Arrête, et Rose est comme nos parents. Toujours convenable, toujours bonne. Merci, Libby. C'est moi qui vous remercie. Merci, Rose. Je vous en prie. Livy, j'ai trouvé un amoureux. Oh, Florie. Nous nous sommes rencontrés dans l'une des exploitations. Il était chargé de surveiller les prisonniers allemands qui y travaillaient. Regardez ce qu'il m'a offert. Oh. Il appartenait à sa mère. Vous devez beaucoup compter pour lui. C'est ce qu'il m'a dit, en effet. Florie, le temps presse. Rose est jalouse. Mais j'aimerais bien vous le présenter. Vous voulez bien? Oui, bien sûr, Florie.
D'accord. Merci. Puis-je connaître son nom? Il s'appelle Walter. Au revoir, Libby. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Pourquoi a-t-il fallu que tu lui parles de lui? Nettoyer la remise. Le sac où je les avais emballés. Qu'est-ce que t'en as fait? Oh. Livy. Pratiquement au fond du tas. Il n'a pas eu le temps de prendre feu. C'est un lieu de travail, cette ferme. Quand les choses n'ont pas d'utilité, je les jette. Je croyais que c'était des détritus. Ce ne sont pas des détritus. C'est de l'histoire. C'est ton histoire. Écoute, je ferai n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi pour te rendre heureuse. Oui, je sais. Je sais, ouais. Cher Livy, si tu aimes les vieilleries, tu aimeras la cave. Fais attention, c'est poussiéreux en bas. Je ne vois pas très bien l'intérêt de mettre ce vieux joug dans la maison. C'est probablement ce joug que ton grand-père a utilisé pour labourer cette terre au début. Et pour l'instant, il est en train de me labourer le dos. Je voudrais te montrer le souvenir qui compte le plus pour moi. Daniel m'avait convaincu de passer un accord avec lui. Si j'acceptais de reprendre la ferme, il s'engageait dans la marine. Entouré de terre toute son enfance, il avait toujours rêvé de l'océan. C'était moi l'aîné. C'est moi qui aurais dû partir avant lui. Rappelez-vous bien, votre téléphone, c'est 3 sonneries. Viens, papa, on va à Wilson. D'accord, allons-y.
Si vous entendez dring, c'est Madame Paulson. Dring, dring, c'est les MacGregor. Et dring, 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 trois sonneries, c'est vous qu'on appelle. Dring, dring, dring. Allô? J'entends sa voix au téléphone. Bonjour tout le monde, ça va? Oui, bonjour, c'est un bébé. D'accord, allez bien. Viens. Il commence à faire froid dehors. Viens, hein. Bonsoir. Les animaux n'entrent pas dans cette maison. Sors! Sors! Sors d'ici tout de suite! Sors! C'était seulement pour la nuit, il fait très froid dehors. J'ai grandi dans cette maison. J'ai mangé à cette table toute mon enfance. Ma mère n'a jamais laissé entrer un chien ici et je ne le ferai pas non plus. Il aura froid. C'est pour toi. C'est arrivé aujourd'hui. C'est adressé à Livy Dunn. Je suppose qu'on ignore que tu es mariée. Je prends le service de nuit à l'usine de betteraves. Je le fais souvent à cette époque de l'année. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Mon Dieu. Je ne sais pas ce que tu prends au petit déjeuner, je ne me lève jamais aussitôt. Mais je t'ai fait des œufs et des galettes d'avoine. C'est inutile. Et c'est une omelette nature, sans oignons ni piment. Attends, Ray. Excuse-moi d'avoir laissé entrer Franklin, j'ignorais que tu prendrais ce geste comme une insulte. Avec les autres animaux dans l'étable, ce chien n'a jamais froid. J'ai quelque chose à te dire. Le premier jour, j'ai regardé dans ta commode. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Je suis désolée. Tu as le droit de... Je n'ai jamais vu la porter. C'est la montre de mon père. Parfois, je la remonte pour me souvenir de lui. Je me rappelle combien il était bon avec ma mère. C'est le genre de mari que je veux être. Et ce premier jour, je l'ai remonté
Sans trop savoir pourquoi, je souhaitais peut-être qu'elle me porte bonheur. Ray, j'ai fait une grave erreur. De quelle erreur est-ce que tu parles? Avoir été avec lui ou m'avoir épousé? Serait-il plus facile que je m'en aille? N'y a-t-il donc rien que tu aimes en moi, Livy? Bonsoir, Chester. Maman, c'est Tante Livy! Bonsoir. Bonsoir. Oh, Ruth, je venais justement de parler de vous. Et vous êtes là, comme si vous aviez lu dans mes pensées. Mais tu vois, on n'a pas besoin de téléphone. Si on en a besoin. Je pensais aussi à toi, Ruth. Je me demandais si tu voulais cette robe-là. Grosse comme je suis, je pense que je ne rentrerai plus jamais dedans. Il y a le chapeau ressorti. Je peux l'essayer? Bien sûr. Ray, vous a-t-il dit? Je ne connais pas les détails. Hank et lui ont dû aller à l'usine de betteraves. Livy, venez donc vous asseoir. Pendant des mois, j'ai écrit au père de l'enfant que je porte. Mais je croyais qu'il était mort. Je ne savais pas que... Non, il est instructeur de vol. Nous nous sommes rencontrés lors de l'une de ses permissions. Pendant des mois, je lui... J'ai écrit de nombreuses lettres. Je sais que c'est pas bien. Pendant tous ces mois, tant que je n'avais pas de nouvelles de lui, je pouvais imaginer qu'il m'aimait. J'ai finalement reçu une lettre. Félicitations, Livy. Tu es une fille merveilleuse. Et je te souhaite de trouver le père de ce bébé, parce que sincèrement, je doute qu'il soit de moi. Ma sœur veut que je retourne à Denver pour accoucher. Peut-être vaut-il mieux que je parte après Thanksgiving. Quand Ray aime quelqu'un, il l'aime de tout son cœur. Quand notre petit frère est mort à la guerre, le chagrin a failli l'emporter. Si vous voulez partir, faites-le vite. Il y a une chose dont je ne vous ai jamais entendu parler. Ce sont vos sentiments pour Ray. Maman! Livy? Tout va bien. Que s'est-il passé? Je t'ai entendu crier. Tu appelais ta maman. Après la mort de maman, je me suis sentie si seule que je me suis compromise en me faisant consoler par un inconnu. Comment ai-je pu faire une chose pareille?
Tu es si bon, si généreux. Merci pour tout. Merci. Joyeux Thanksgiving. Oh, Libby, c'est très gentil de nous avoir fait une tarte. Merci. Libby m'a dit que vous étiez originaire de Californie. Oui, c'est vrai. Libby ? Je suis jamais allée en Californie. Puis-je vous parler ? Venez. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Est-ce que je pourrais vous présenter mon petit ami dans 2 semaines, samedi ? Oui. Peut-être pourrions-nous prendre votre camion et aller passer l'après-midi loin d'ici ? Très bien. À quelle heure ? Disons midi, je viendrai vous chercher ici. Oh, non, pas ici, Livy. Sur la route, près du silo à céréales. Très bien. Merci, Livy. Oh, je vous témoigne ma gratitude à tous, mais je voudrais aussi prier pour que cette guerre se termine bientôt. Je remercie Dieu pour les récoltes de cette année. Il a été bon envers nous. Je suis heureuse que le bébé arrive et d'avoir bientôt un cousin. Je suis heureux que la chaise de Daniel près de moi ne soit pas vide. J'ai appris bien plus sur l'amour pendant ces 6 mois passés dans votre famille que je ne l'ai fait en 25 ans dans la maison de mon père. J'ai reçu de l'amour ici. De l'amour, de la bonté et de la tolérance. Et je vous en remercie. Je me souviendrai toujours de vous tous. Joyeux Thanksgiving. Amen. Joyeux Thanksgiving. Bon appétit. Ray, je dois aller dire au revoir à Rose et Flory. Laisse-le, il peut rester s'il veut. Il fait très froid dehors. Quand tu es arrivé ici, je sais que tu n'as fait qu'honorer l'accord passé entre ton père et le pasteur Kez. Ce n'était pas ton intention de te marier. Je comprends que tu aies pris la décision de partir. Mais je dois te dire ce que je ressens avant que tu t'en ailles. Je suis tombé amoureux de toi. Et j'aime déjà ce bébé. Pour moi, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu es une femme intelligente et d'une grande beauté. Tu es une pitoyable cuisinière, mais ce n'est pas important, je peux faire la cuisine. Je sais que ça te tenait à cœur de visiter des pays lointains, mais il reste beaucoup de traces du passé ici, dans le comté d'Otero. Si tu aimes les vieilles choses indiennes, je t'aiderai à en trouver. Tu pourras faire des fouilles où tu veux. Ne crois surtout pas que j'essaye de te convaincre. Le jour où le pasteur nous a mariés, j'ai oublié la bague. J'ai une bague aujourd'hui. En toute honnêteté, je ne pense pas que je te mérite. Pourquoi crois-tu que toi et moi... Je le sais parce que... Parce que... Un jour viendra où tu pourras te pardonner.
Excusez mon retard. Bonjour. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Livy, voici Walter. Bonjour. Enchantée de vous connaître. Où voulez-vous que... Nous avons pensé aller vers le sud, où nous avions vu les papillons. C'est pratiquement au Nouveau-Mexique. Oh, Walter est en permission et il a un cousin dans cette région. J'ai pensé que nous pourrions le déposer. Vous allez avoir froid derrière. Pas grave. Walter vient de l'Idaho. Il est solide. Eh bien... ne traînons pas, la route est longue. Êtes-vous folle? De quoi parlez-vous? Que vous a-t-il promis? J'ignore de quoi vous parlez. Florrie. J'ai vu cet homme dans l'équipe d'ouvriers. C'est vous qui lui avez confectionné cet uniforme? Si vous regrettez de nous avoir pris, Walter et moi, vous devriez nous laisser descendre ici. Florrie, ne sois pas insolente. Toi non plus. Tu es jalouse parce qu'il m'aime. S'il vous aime, pourquoi s'enfuit-il? Dès que la guerre sera finie, il sera libre. Si quelqu'un découvre que vous avez aidé cet homme à s'évader, Rose et vous, vous serez accusés de trahison. Vous irez en prison jusqu'à la fin de votre vie. Cet uniforme est non seulement une preuve contre vous, mais contre votre famille. Il implique votre père et votre mère. Mon père et ma mère n'ont rien à voir avec ça. Rose non plus. Écoutez-moi. Vous allez rentrer chez vous et vous allez brûler le moindre bout de tissu qu'il reste de cet uniforme. Quant à votre bracelet, vous le jetterez dans un champ. Marchez droit devant et ne vous retournez pas. Vous l'aimez, et je sais que les intentions qui vous animent sont bonnes. Mais c'est trop risqué. Vous paierez ce geste jusqu'à la fin de votre vie. Florrie ? Descendez du camion toutes les deux. Dites-lui qu'il est plus sûr que vous ne voyagiez pas avec lui. Viens. Il vaut mieux qu'on ne voyage pas avec toi. Avec vous. Vous ne franchirez jamais la frontière habillée en militaire. Nine. Venez avec moi. Entrez. Vous trouverez la chambre de mon mari à l'étage. Prenez des vêtements dans son armoire. Et c'est ceux que vous portez sur le sol. Il va rentrer à la maison d'une minute à l'autre. Vite. Florrie vous aime. La guerre sera bientôt finie et vous serez libre. Si vous partez maintenant, comment la retrouverez-vous? Avez-vous quelque chose à boire, vite? Oui, je peux faire du café. Viens, Franklin.
mademoiselle, pourriez-vous me mettre en contact avec le bureau du shérif? Ne quittez pas. Le bureau du shérif, j'écoute. Shérif, ici Livy Singleton, l'épouse de Ray Singleton. Oui, j'appelle pour vous dire qu'un prisonnier de guerre vient de voler notre camion. Il se dirige vers la Nationale 22. Il devrait manquer d'essence avant de traverser le pont. Il n'est pas armé, alors ne tirez pas. Bien, madame Singleton, j'ai pris note. Shérif, attendez. Je vais accoucher, appeler un médecin, vite. Docteur. Tu veux aller dans les bras de papa? Bébé, doux et beau comme un cœur, c'est l'enfant du bonheur. Des doigts de fée, mesdemoiselles. Merci de tout mon cœur. Ceci est pour vous. Mais... Je vois que l'on vous garde. Qu'est-ce que c'est? Papillon d'Amérique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouvrez-le. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Regarde, Danny, c'était la montre de ton grand-père. Et plus tard, elle sera à toi. En attendant que tu sois grand, ton papa la garde. Mettons-nous en route. Ta maman a organisé une chasse au trésor. Ce n'est pas une chasse au trésor, c'est sa première fouille archéologique. Nous chercherons des pointes de flèches. Allons-y. Viens, François. Regarde comme tu es grand.